Eh bien, salut à tous et à toutes les musclores, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui depuis les bureaux Gamers Origin. Voilà, je peux vous faire une petite visite rapide. Regardez, hop, autour, on est dans une petite cave, tranquillement ici, bien au calme. Hop, un petit peu plus au frais que dehors où il fait 2000 degrés à peu près. Pour une petite vidéo, Mecha Paladin, pourquoi je suis dans les locaux Gamers Origin? Tout simplement parce qu'il y a la soirée d'extension ce soir de 18h à minuit. Si jamais vous voulez passer, je vous mets le lien dans la description où on va jouer avec tous les Gamers Origin. Et donc du coup, à l'occasion de cette soirée, il fallait préparer 9 decks. Enfin, 6 decks plus un deck. Donc il fallait préparer 6 decks plus un deck Mystifix. Donc moi j'ai préparé mes decks. Je vous ai pas tous montré, mais ce matin j'ai déjà fait la vidéo sur le Warrior Dr. Boom mécanique qui est assez fort, hein, je pense. Il y a le Hunter Aldegonu. Enfin, il y en a pas mal que j'ai préparé. Le Druide Serpilleur qui a fait top 1 légende. Le Voleur Lapin, le Zodémon, le nouveau Zodémon. Très très sympathique qui va popper sur YouTube probablement demain. Mais en attendant, c'est le Mecha Paladin, mesdames et messieurs. Et le Mecha Paladin, c'est un deck. Cette version, c'est celle de Jo. Je crois, Jo ou Zalae, je sais plus. Et qui est assez sympa, elle a fait top 30, je crois, légende avec. Et c'est full mecha. C'est full mecha globalement. On a dedans les cristallographies qui vous permettent de piocher deux cartes à 1 d'attaque. Sauf qu'il y a beaucoup de cartes à 1 d'attaque quand même, mine de rien, vous voyez. Et puis, bah, ça joue beaucoup sur les mechas et sur la combo magnétisme. Avec les bénédictions des rois, avec les armées infinies de Kangdor. Avec l'armée infinie de Kangdor, donc la légendaire de Paladin. Qui est très sympa, hein, en réalité, parce que en fait, ça vous invoque vos mechas en gardant leur magnétisme. Et vu qu'ils ont quasiment tous magnétisme, bah en fait ils se buffent entre eux et ça ressuscite des méga trucs. Donc c'est assez puissant, et Valanir parce que c'est très puissant, Tarim parce que c'est très puissant, et Ziliax parce que c'est une folie également. Voilà, donc vous pouvez comboter tous vos trucs là et vraiment faire de très très belles games avec de très très belles combos. Et ce que j'aime bien avec ce deck, je l'ai un petit peu joué, ce que j'aime bien avec ce deck, c'est vraiment que toutes les games sont différentes, et ça c'est ouf, je trouve. Ça c'est vraiment ouf. Allons-y. Bon, j'ai vraiment essayé beaucoup de decks, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à toutes mes créations de decks, à tout ce que j'ai modifié, etc. Et j'ai perdu beaucoup, pas mal de rang, je suis monté, je suis descendu, je fais beaucoup de yo-yo. Mais après, c'est normal quand tu essaies des decks, c'est normal de. Tu joues pas encore des decks très efficaces. Mais celui-là, je pense que déjà il est pas mal efficace. Et voilà, on va le jouer ensemble. J'espère qu'il va vous plaire, mesdames et messieurs. Let's go. Attendez, la fichou qui a laissé ses trucs allumés ici. The fichou qui est là-haut. On va le laisser, c'est sympa ça. C'est quoi ça, Nectragar? Je sens pas ça. Alors, cristallographie, ça peut être sympa. On est contre druide. Je pense que ça, on le garde pas. Ça. C'est une bonne carte après. Hein. C'est une bonne carte après. Hein. Ça, c'est bien aussi. Ça, je pense qu'on l'enlève. Ça fait piocher, donc c'est cool. Regardez ça et lui. Ok. Ok. On va voir comment ça se passait du coup. Hop. On va jouer d'abord nos trucs, non? Hop là. C'est un élémentaire du coup, étincelle. C'est dommage que je sois pas un mecha. Mais s'il le tue pas, je peux faire Lumi plus étincelle. Ok. Oh, c'est meilleur ça, non? Est-ce que je fais Lumi d'abord? Au pire, je fais Lumi. Qu'est-ce que j'ai envie de fusionner? Est-ce que j'ai envie de fusionner avec lui ou avec lui? Je pense que c'est 3-2. Et. En vrai, avec lui, non? En vrai, avec lui, il va être plus big. En vrai, c'est plus fort. C'est meilleur, hein. Là, tour 2, on vient de lui coller 4 patates. C'est plus fort de fusionner sur lui parce qu'il aura plus de mal à un druide à le tuer. Alors que si j'ai plusieurs petites créatures, il aura une meilleure plaie envahissante et ça m'embête. J'aime bien le concept ici. Et l'idée, c'est aussi par rapport à mon sort légendaire, Kangor là. Kangor armée infinie là, c'est. Ça va me permettre de faire. De ressusciter de plus gros mechas, hein, tout simplement. Et alors, on va voir ce qu'on pioche ici, ça recycle pas mal le bot, c'est très. Le deck, pardon. Réduit de 1 en 1 le coût des mechas dans votre main. Ok, ça sera au prochain tour. Je pense que c'est juste étincelle ici, on lui recolle 4. Je vais voir si j'ai envie de cristallographie ou de faire ça. Parce qu'en fait, cristallographie, ça peut me permettre de faire une belle combo au prochain tour. On va voir comment ça va se passer. Oh, acclimatation directe, what the fuck? Ok.
Il a l'air très effrayé quand même. Ok. Je pense pas qu'on le joue tout de suite, c'est pas très intéressant. Je pense pas qu'on le joue tout de suite. Ça peut-être on le joue tout de suite, ça me dérange pas. En réalité ça fait juste une plus grosse créature. Ça me dérange pas de le jouer tout de suite. Les kangourous bots là je pense pas. Après ça invoque, vous me direz, ça m'invoque un bébé kangourou. Un. Ce qui est bizarre avec cette carte là c'est que le bébé kangourou il a le même set que le vrai kangourou. Kangourou. Ça c'est un peu, ouais, c'est un peu étrange. Après là je sais pas encore ce qu'il joue pour l'instant, il a juste fait croissance sauvage et acclimatation. Ça peut être noté Camaligo, ça peut être un peu tout, n'importe quoi. Ouais, tout à fait franc avec vous. On fait ça. On le fusionne. Et on fusionne lui aussi. Pas suicider lui. Je pense que c'est comme ça. Peut-être je joue les deux, non? Ouais, vas-y, je joue les deux. Ok. Le tour précédent, c'était pas intéressant parce que je me prenais juste une plus grosse plaie envahissante. Mais là, ça peut être intéressant parce qu'il a deux cartes sur le board et celle-là mourra pas. Le cycle de la vie est terminé. Ok. Donc il va enlever le bouclier divin. Logique. Il enlève les deux boucliers divins, très bien. Donc c'est comment? Je pense c'est ça. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Je vais pas Hero Power, je pense pas que ça a un intérêt particulier, ça lui donne juste une meilleure plaie envahissante, ça meurt sur balayage. C'est vraiment zéro. Ouais voilà, ça lui aurait donné une 1-5 en plus pour un pouvoir héroïque, c'était pas intéressant du tout. Toujours dites-vous qu'il a les meilleurs trucs dans la main. Ça va souvent être le cas de toute façon, donc habituez-vous. Allez, c'est ça. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Habituez-vous. Ok, ça je peux le fusionner avec lui. Et derrière, je peux fusionner lui. Avec lui, il passe à 4. Avec lui peut-être. Lui, j'ai besoin d'HP où? Là, j'ai besoin d'attaque. Ok, je fusionne lui ici. Je fusionne lui ici. Ça me fait chier en fait ces petits micro-robots là parce que en fait j'aime bien les fusionner. Ok, l'idée c'est que j'ai déjà un petit peu joué ce deck et j'aime bien fusionner les robots là, les petits robots parce qu'en fait sur la légendaire j'ai peur que ça ressuscite les petits trucs. Je sais pas encore comment elle fonctionne, j'ai pas eu l'occasion de la jouer plein de fois, je l'ai joué quelques fois. Et je les ai pas eu les premières fois présentes, mais depuis que j'ai ce deck, j'essaie toujours de les fusionner à chaque fois, en fait de les magnétiser quoi. Après là contre Druid, c'est plus intéressant d'avoir de grosses créatures. Parce qu'il peut être bien Valenir, ça peut être sympa aussi. Oh waouh! Ok, les petites 1-1 comme ça, c'est sympa avec Taren. Avec Tarim par contre, alors là je dis pas. Hein. Aïe aïe aïe. Ok, c'est comment? On buff le kangourou, parce que je l'aime bien quand même, il a l'air sympa. Non, ça, je traite pas lui plutôt. En vrai, attends. Lui il a beaucoup d'HP. Du coup, c'est peut-être genre je magnétisme lui. Voilà. Et ensuite je trade lui. Je trade lui. Lui il va face. Et lui il va fusionner là. Ça met quand même pas mal de pression, hein, c'est sympa. Juste peur de la deuxième plan envahissante, mais on a déjà joué une donc je vais pas jouer autant de la deuxième. On a fait une belle sortie, mais. C'est pas trop dramatique. Il a fait juste le problème, c'est qu'il a fait double croissance sauvage ou ultimate infestation. C'est un peu embêtant. Oh non, il a la deuxième plaie, sérieux? Sois pas comme ça, mec. Allez! Allez, pas la deuxième plaie quand même.
Allez, mec, sois pas comme ça. Non, ça, c'est les moments terribles. Hein. Ah ouais, mais t'es sérieux, t'as vraiment genre le maximum. Ah non, ok, non, c'est balayage, ok, ça va. Enfin, ça va, je sais pas, mais ça a l'air un peu moins pire. Ah oui. Bah, c'est bien pire, du coup. C'est bien, bien pire. Donne-moi le sort légendaire, là, c'est vraiment important. Valanir, très bien. Ok, au prochain tour, si j'ai un n'importe quel serviteur, je pense que je le joue. Enfin, je pense que je tape et je buff mon serviteur et je le rejoue. Ça met beaucoup de pression, ça met beaucoup de dégâts face. Donne-moi Tarim, please. En vrai, Tarim, c'est pas si ouf parce que du coup, je peux pas taper avec Valanir. Ou alors, je perds Valanir. Zilliax, c'est catastrophique. C'était le pire truc, Zilliax. Ça aurait été le meilleur truc plus tôt parce qu'il donne vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Bouclier divin, provocation, vol de virus, enfin c'est juste trop ouf. Mais tu peux pas juste le jouer comme ça, t'as besoin d'un truc quoi. J'aurais pu te taper, faire ça dedans en vrai. C'est pas ouf. Ok, juste comme ça je pense. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Après s'il le tue là il faut que je top deck mon sort légendaire. Là par contre c'est vraiment le moment de le top decker. Parce que bah, le défaut du deck c'est évidemment j'ai pas beaucoup beaucoup de pioches. Donc il faut piocher hein. Il faut que je trouve des moyens de piocher ici. C'est terrible ma coupe là, qu'est-ce qui se passe? Ah ça va. Ça a l'air d'aller. C'est ici hein, quand je suis au bureau Gamers Origin, j'ai des coupes catastrophiques. Je regarde comme ça, je fais ouah. Ouah, c'est qui? Qui a osé? Il va prendre l'attaque là, sérieux? What the fuck? Mais il va suicider son truc de toute façon. Ok, il prend pioche et attaque. C'est intéressant, je sais pas pourquoi, mais. Du coup, il a un petit peu perdu son Alex, mais. Est-ce que. Ouais, je préfère buffer l'étincelle. Hein. Non, en fait, ça change rien. Parce qu'elle va taper dans le bouclier divin concrètement. Ouais, non, de toute façon, je préfère buffer l'étincelle dans tous les cas. Ok. Ouais, je vais faire comme ça, du coup. J'aurais pas pu faire mieux là. Non, ça revenait au même. Ça revenait au même, peu importe comment je faisais. Je me suis dit peut-être je tapais avec l'arme d'abord, ensuite machin. Oh wow. Oh, il va récupérer Valanir! What the fuck, no! Oh non, c'est ma carte! Oh non! C'est mon Valanir! Il va piocher là, putain. C'est tellement fort, Druid. Après, là, moi, si je top deck mon sort légendaire, il y a vraiment un gros truc à faire. Hein. Il y a vraiment un gros gros truc à faire. En vrai, ce serait vraiment cool de le piocher parce qu'il a eu de la chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance. Ça serait cool de le piocher juste histoire de faire. Juste pour la démonstration du deck. Hein. Moi, je m'en fous. Je l'ai déjà joué, j'ai déjà eu. Même pour la démonstration du deck, ça peut être sympa quoi. Histoire de pas montrer un truc trop ridicule, n'est-ce pas? Allez, là, joue plus vite, gros. T'as pas beaucoup de possibilités. Hein. Ok, donc il va se morquer à fond là. C'est le moment de ressusciter mes mechas là. Là c'est le moment de les ressusciter, vraiment. Allez, j'ai combien là? J'ai même pas beaucoup de cartes, j'ai 8 cartes. J'ai une chance sur 8. C'est combien? 22%? 22, 23%? Non, beaucoup moins, 12%. Allez, là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Dommage, dommage, dommage. Putain, fais chier là. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, vous avez vu un petit peu la mécanique du deck. Vous avez vu le potentiel du deck. Après, évidemment, les games comme ça, c'est hyper chiant, c'est hyper désagréable. Mais là, c'est pas la faute du deck, c'est plus la faute de notre adversaire qui a fait que d'attendre la corde à chaque fois. C'est très désagréable. C'est chiant, les games sont longues. Mais normalement, le deck, moi, quand je le jouais,
Negame était super rapide, paf, tac, tu gagnes, tu perds, bam, t'y vas, tac, tu poses tes trucs, magnétisme, ton adversaire, il magnétisme, tac, des fois il les tue, des fois il les tue pas, voilà, t'as gagné, t'as perdu, mais ça va vite. Là, le mec, il avait 300 sauvages, 300 sauvages, ultimate infestation, il avait tout, et le mec, il attendait la corde à chaque fois, il faisait semblant de réfléchir. C'était nul, c'était vraiment nul. Je suis déçu, je suis désolé de vous avoir proposé un adversaire aussi médiocre. Kangoobot ou Lumière Royale? Ah, Kangoobot, c'est pas si ouf. Ah, est-ce que c'est ouf? En vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok. Je peux genre jouer les deux tours, hein, et ensuite je fais ça. Ça peut être fort. Mais cristallographie, c'est toujours fort. Parce qu'en fait, le fait de piocher, ça fait que ça augmente mes chances d'avoir mon sort légendaire ou quoi. Donc, c'est très très puissant. Allez, allez, t'es tour 1. Allez, allez, hop hop hop. Ça m'arrive souvent que les gens aient robe tour 1 quand même. Je suis pas en stream, bro. Allez, allez. Pas besoin de checker Twitch. Je suis là, je suis juste en face de toi et je suis en vidéo. Tu le verras après. N'y a rien qui m'énerve plus dans ce jeu que les gens qui font ça. C'est vraiment, c'est un truc qui a tendance à me rendre fou, fou, fou. Je vais faire ça, et ensuite je vais faire ça et ça. Je pense, je vais faire comme ça et. Comme ça, en fait. Là, je déciderai de ce que j'ai envie de buffer au prochain tour. Je pense quitte à ressusciter un mecha, celui-là il sera meilleur à rester, donc autant buffer lui. Et si j'ai envie de magnétisme en plus, j'ai envie de magnétisme. Waouh! Waouh! C'est un mecha lui. La môle, le bouclier divin, ça tape. Oh, bouclier divin, dis donc! J'aurais pu buffer lui pour éviter un gros balayage, mais il a pas la pièce et il a pas la mana pour balayage. Donc Osef un peu en vrai. Au prochain tour, je vais juste faire mailler, je pense. Peut-être pas, peut-être cristallographie c'est meilleur. Je vais voir en fonction de ce que je pioche. Si j'ai un truc à comboter avec cristallographie, c'est sympa. Après, cristallographie, je peux juste la comboter avec rien aussi. Hein. Ok, donc ça, c'est. Il prépare son balayage, ça. Ah, j'aurais tellement voulu jouer ça. En vrai, je fais juste ça, hein. En vrai, je portais juste comme ça, et puis voilà. Il a trop de somme. Hein. Allez, là, t'es trop deg, mon gars. Et non, tu vas pas faire balayage. Et non, non, non. Ce ne sera pas un balayage. En vrai, tu peux faire balayage. Ça enlève 3 boucliers divins, c'est ok. Mais faudra le faire face. Faudra me passer sur le corps. Et oui! Et oui. Ok, piochons des. Ah, ça, je joue juste ça. En vrai, c'est pas mal, hein. J'enlève la 1-1 plutôt que la 3-4. Si je me fais ça, ça lui donne juste une meilleure Akli finalement. On peut faire Akli balayage. On a vu le druide d'avance qu'il nous a fait donc. Tu vois, genre lui, sa sortie elle est déjà beaucoup plus chill, tu vois. C'est pas croissance sauvage, ultimate infestation, play envahissante. Même il a fait play envahissante d'abord. Avec évidemment le tyran des arcanes. Et ensuite il a fait le machin. Après là, tu vois, il a nourrir donc il va s'accélérer pas mal, mais ça va, c'est moins grave, c'est moins chiant. Parce qu'en fait, l'avantage des croissances qui est assez monstrueux, c'est que tu fais la plaie envahissante vraiment au moment où les créatures sont encore toutes petites. Et du coup, bah, c'est difficile de le gérer. Sympa, hein. Sympa, sympa, ça allait très vite celle-là. Là, il a été vraiment trop lent. En fait, je pense que il aurait dû faire un tour de colère à 3 au lieu de le faire à 1. Peut-être ça l'aurait beaucoup aidé. Je sais pas. Mais je pense que ça aurait été meilleur pour lui en vrai. Bon, bah sympa, hein. Vous avez vu ou pas? Eh, ça se passe bien. Hein. Allez, on s'en fait une petite dernière. Allez, une petite dernière. Hein. C'est le kiff là. C'est un bon deck, hein. On le voit pas souvent. Hein. Mine de rien. Mine de rien, on le voit pas souvent. Oh, chaman! Alors. Chaman très difficile aussi parce qu'on sait. Enfin, c'est pas difficile le match-up ou quoi. Je parle de la classe, on sait pas trop ce qu'il joue hein, pour l'instant. Là, en début de saison, comme ça, enfin, en début de méta, c'est très dur. Je trouve vraiment.
La difficulté du jeu à l'heure actuelle, c'est de deviner ce que ton adversaire joue. Ce sera pas le cas dans une semaine ou dans 2 semaines. C'est aussi le charme du jeu, hein, si je peux me permettre. Mais allez, on a encore la cristallographie, ça fait plaisir. Si c'est un aggro, cristallographie, c'est un peu trop lent. Mais l'avantage de ce deck-là, c'est qu'il est fort contre aggro. Ça, c'est vraiment genre un gros avantage, hein. Mine de rien. C'est stylé ça comme mot, mine de rien. Non? La question que je me pose moi encore avec ce deck, parce que bon bah forcément j'ai pas un échantillon de game suffisamment suffisant pour pouvoir avoir une théorie fixe, mais la question que je me pose c'est est-ce qu'il vaut mieux buffer toutes les cartes de manière équivalente ou est-ce qu'il vaut mieux en buffer moins mais juste essayer de faire des gros dinosaures? C'est ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je veux dire? Je pense qu'il vaut mieux essayer d'en. Ça dépend des matchups. Genre contre Druid, il vaut mieux en avoir peu, mais des grosses. Mais contre un Zo, par exemple, il vaut mieux en avoir plusieurs petites. À mon avis, hein. Je pense. Genre contre lui, si j'ai que des grosses, il va juste faire Maléfice. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si ça vaut le coup. Merde, il a pas magnétisme lui. Ah, je pensais qu'il avait magnétisme. Elle avait pas. Désolé, dans ma tête, j'étais persuadé que toutes mes cartes avaient magnétisme. J'étais en mode waouh. Ça, c'est un beau magnétisme. C'est pas grave, y'a pas de soucis. On va faire ça. Ok, lui, il joue Corniflex, il s'en fout. Hein. Lui, il a rien à foutre. Hein. Lui, il s'est dit ouais, les gars, c'est le moment. Tout le monde va jouer des nouveaux decks. Ok, on joue bourré. Hein. De toute façon, y a pas grand chose de plus à faire. Hein. Là, si je peux me permettre. Il faut lui montrer qui c'est le papa. Il faut lui montrer qui c'est le mal alpha de la game. Oh bah non! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est toi le mal alpha! Je déconne, mec! Je déconne, bro, t'as zéro humour! J'avoue que comme ça. Hein. Ça, c'est juste dommage que l'étincelle ce soit pas un. Ce soit pas un élémentaire. Ça fait penser aux petits trucs dans Dofus là. Les petits trucs des scarabées là. Tu sais, les petits trucs qui t'attirent et après ils explosent. Qui a joué à Dofus? Eh oui, ça fait penser à ça de ouf. En vrai, ça c'est copier-coller. Hein. Après, ça se trouve, c'est Dofus qui a copier-coller. Mais... Nous ne le saurons jamais. Donc là, j'ai 4. Il me faut 2 d'attaque. Magnétisme. Conversion de l'énergie. En fait, ça, je sais pas si c'était bien de jouer ça en vrai. Ah, j'aurais peut-être pu le jouer. Oh shit! Non! Non, 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 non! Je vais d'accord, voyons! Voyons! Explosion photonique! Ça, il s'est soigné de 24. C'est dur ce que je viens de me prendre là. Moi j'ai vidé ma main pour l'agresser et le mec il s'est soigné de 24. C'est quand même pas très réglo. Agatha la sorcière. Très bien. Agatha la sorcière. Oh! Oh lolo. Magnétisme, bouclier divin, provocation, vol de vie et ruée. C'est quoi sur ça? Ou sur ça peut-être, non? Je pense, hein. Je vais jouer juste pour l'avoir sur board. Ça change pas grand chose, mais oh, en procédure, ma 6-3 ici, je suis plutôt bien.
Enfin, je suis mieux que si j'avais protégé la 8-11, parce que même s'il a déjà joué un Hex, il pourrait en jouer un deuxième. Et là, en jouant ça, j'ai juste plus d'HP sur le board, donc son volcan est moins fort. Après, je sais pas ce qu'il joue, hein. Je pense qu'il joue Corniflex, mais l'avenir nous le dira. Mais non. Mais non! Mais ça suffit désormais! Putain, ils sont immortels, hein. Ils sont immortels, mon gars. Vous avez vu comme c'est puissant, c'est un truc de ouf. Bah après là, c'est compliqué, mais ils sont très très puissants, ils sont très très forts quand même. Ok. C'est rigolo ça. Il a baissé le prix de quoi du coup? Oh, volcan numéro 2! Il a eu son ensorcellement! Oh mais non! Sérieux! Il l'a eu sur son passif! Mais non! Mais non! Mais non, c'est nul là ce qui se passe! Il a eu les deux heals! Il s'est heal de 38 et il a chopé volcan! J'ai pas de chance sérieux dans cette vidéo! Bon, j'ai pas de chance, ça arrive, mais bon, c'est nul là! Qu'est-ce qui se passe? Aussi, j'ai fait de mal pour autant d'échatter! Aujourd'hui, j'ai passé 4 heures avec le technicien orange pour installer la fibre dans mon nouvel appart. 4 heures. Le propriétaire, il a dit ouais et tout, il y a la fibre, vas-y go, ça va bien se passer et tout. Il n'y avait pas la fibre. Et le mec, il a fait tous les appâts. Et le propriétaire, après que tu sais, j'ai signé un truc, il fait ouais, y a pas de boîtier de fibre machin. Je fais bah tu m'avais dit qu'il y avait la fibre. Il fait non, il n'y a pas de boîtier de fibre. Putain, c'est chelou. Et du coup, je lui dis au technicien, ouais, le propriétaire, il dit ça. Il me dit si, il y a la fibre, regarde. Il me dit regarde dans le couloir, il y a absolument tous les appartements du palier qui sont raccordés à la fibre. Il me fait regarde, ce câble-là, il va dans cet appart. Celui-là, il me fait le seul câble, le seul truc où il n'y a pas la fibre, c'est ton appart. Et il me fait, et je peux pas le faire. Il me fait en fait, tous les trucs, ils sont. Tous les câbles, ils sont niqués. Pardon, excusez-moi, ils sont abîmés à l'intérieur. Et en fait, il peut pas faire passer le câble. Et il m'a fait, il faudrait je sais pas quoi. Il m'a fait, en plus, le mec il a bricolé dans son appart, donc il a changé de place, les prises et tout. C'est impossible d'installer la fibre. Il m'a dit, ouais, là clairement, il m'a fait, il va falloir faire des travaux. Ça va coûter très cher. Je fais quoi comme travaux? Il m'a fait, bah faut détruire le mur et refaire les trucs de l'intérieur quoi. Je fais, ah ouais, oh, c'est pas cool quoi. C'est pas très rigolo quoi. Ok, les gars, je pense que je la perds. Ok, est-ce que je le fais? Je me dis, en fait, je me dis, je joue ça et au prochain tour, je top deck mon sort à 7 là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Non? Que ferait Uther? Que ferait Uther? C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il ferait Uther? Bah vas-y, de toute façon, on a déjà fait deux games, on a montré la mécanique du deck là, je vais juste jouer YOLO. Je joue ça, et comme ça j'aurai des micro-robots, et puis au pire des cas, bah ça fera un plus gros truc que je ressusciterai avec mon sort. J'aimerais bien jouer au moins une fois le sort à 7, là ça fait 3 games et on l'a pas eu une seule fois. Juste histoire de. Bah histoire de juste le voir en fait, on s'en fout de perdre ou de gagner. Allez! Allez, soyons réglo. Allez, sérieux, t'as chopé volcan. Non, on avait dit réglo. On avait dit réglo. Ah! Non! Fais pas le con! Fais pas le co. C'est bon, je rigolais. C'est toi le meilleur. Svensk, c'est toi le boss. Je rigolais. C'est toi le plus musclé. T'es le plus musclé. Non, pas face. Pas face. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je joue pas cette carte. Joue cette carte. Cette carte là. Celle du milieu là. Celle là, elle est bien celle là. Celle du milieu. Joue pas ça. Ah, celle du milieu, elle est pas. Non, pas celle du milieu. Je déconne. Joue celle là finalement. Oh! Volcan! Ça se trouve, il tue Maligos et il tue pas mes trucs. Ok, non, il tue mes trucs. Ah, mais de toute façon, il tue tout. Ouais, il tue tout. Ok. Oh, il a eu peur! Oh putain, la Valtrang! Demain, elle est 1-1. Ah, bah non. Ah, mais non, c'est pas. C'est nul ça. Ok, continuons de. Putain, je l'ai bien eu! Nice. Maligos, moi j'ai. Hop! J'ai peur de rien, moi. J'ai peur de rien, les gars. Elle veut un moyen à paniquer. Ok, totem vague de malas, c'est une carte. Ça c'est une carte de tapette. Qui a peur de ça? Personne n'a peur de ça. C'est une carte de loup ça. 0-3, 0 d'attaque. 0 d'attaque. Oh non! Mais sérieux, mais à chaque fois il chope des AOE sur son sort là. Donne-moi Valanir. Valanir. Oh, le sort légendaire! Nice!
Quoi? Là, il n'y a pas gardé. Man. Quoi? Mais ils n'ont pas gardé d'amélioration là. Ah Le mal se non! Ah non! Je nourrit me de suis fait bonté. escroquer! Oh, j'en ai marre! Vie de merde! Oh, j'en peux plus! Mais bon, mais quoi? Mais j'ai des trucs, ils sont 17-17 là! En vrai, j'ai des mechas, ils se sont fait magnétisme 17 fois, mon gars! Oh. Je peux gagner là. Je peux gagner là. C'est vrai que j'ai bien joué. C'est vrai que j'ai bien joué. Au-delà de toute rédemption. Très énervé. Je n'ai presque plus de cartes. Yes! Yes, 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 yes! Mal sera annihilé. Le vent moyen a été complètement stressé devant cette partie. Cette partie était ouf. Cette partie était absurde. 2-1 avec le deck. Bon, là, la légendaire, elle a pas fait du bon temps. En fait, moi, j'ai joué déjà sur deux games. Et à chaque fois, j'ai eu des bons trucs avec magnétisme et tout. Mais là, j'ai eu des trucs de merde. Mais quand je suis en vidéo, c'est une malédiction ce truc. Hein. Quand je suis en vidéo, il y a. Je sais pas, je suis un peu maudit. Mais en tout cas, bon, indépendamment de ce sort légendaire qui a pas fait beaucoup le taf là à la fin, dites-vous que quand même, la plupart du temps, il le fait. Enfin, je sais pas si la plupart du temps, il le fait. En vrai, j'ai pas un échantillon de game assez suffisant pour pouvoir juger, mais j'ai dû jouer le deck peut-être sur une quinzaine de games. L'extension est sortie hier, donc vraiment là je vous balance des trucs. Après, je vous balance des decklists pour que vous essayiez aussi des trucs. Ça vous donne des idées. Après, vous pouvez les améliorer. Peut-être vous allez faire des meilleurs trucs, mais avec le temps, en fait, si vous voulez, les decklists vont devenir parfaites. Et puis bah là, ce sera plus modifiable et plus personne pourra plus rien modifier. Mais là, c'est des decklists d'essai et celle-là est quand même assez sympa. Elle a fait top 30 légende quand même. Moi, les précédentes fois où j'ai joué Armée Infinie, ça s'est bien passé. Et là, ça s'est pas très bien passé. Bon, on a gagné quand même, donc vous allez me dire, bon, lolo, l'important c'est de gagner. Mais là, ça s'est pas très, très bien passé, donc je sais pas trop, je sais pas trop si cette carte-là restera. Ce qui serait cocasse parce que je l'ai crafté et que j'ai dépensé toutes mes poussières pour crafter des cartes. J'avais 20 000 poussières avant l'extension et je devais en avoir 25 000 après avoir ouvert 80 boosters. J'ai ouvert que 80 boosters. J'en ouvrirai peut-être à mon prochain stream. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette petite decklist-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Et puis, pour tous ceux qui me demandent par rapport au coaching, je fais du coaching gratuit sur machin. Il y a la vidéo par rapport à ça, sa vidéo besoin d'aide là, avec du OTK Paladin. Il y a le Discord, vous connaissez. Ça reprendra dans une semaine ou un truc comme ça. C'est le temps que moi-même je maîtrise la méta. Parce que là, je la maîtrise pas. Je peux coacher personne, je connais rien. Je joue 10 heures par jour. Je vais très rapidement connaître les trucs. Il y a des tournois qui arrivent, il faut s'entraîner. Ce soir même, on fait un petit tournoi entre nous. Ça va arriver. Mais là, pour l'instant, je peux coacher personne. Je connais pas la méta. Ça a rien de me demander. J'ai plein de gens qui me demandent tous les jours. Je peux pas. Je peux pas. Je vais pas vous faire un mauvais truc. Moi, je fais le truc, je le fais bien ou je le fais pas. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez 2 petites secondes de plus, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, peut-être un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez que je les lis tous. Je mets souvent des likes sur tous les commentaires. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain pour 2 nouvelles vidéos, peut-être 3, on verra. Si vous avez des besoins de déclics, si vous avez des propositions de déclics, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Tout ça, vous connaissez. Bisous tout le monde et à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss.